Jocelyn Proux, agent de développement culturel à la MRC de Drummond. Moi, je suis en poste depuis 10 ans maintenant. Mon mandat, en fait, c'est d'appuyer le développement culturel du territoire et aussi de mettre en œuvre un plan d'action en culture. La MRC est déjà rendue à son troisième plan d'action en ce moment. Le projet de coop de solidarité artistique de la MRC de Drummond a débuté de façon un petit peu spéciale. C'est-à-dire que moi, depuis mon arrivée en poste, il y avait des artistes qui venaient me voir au bureau avec l'intérêt de voir arriver au centre-ville de Drummondville un centre d'artistes, c'est-à-dire un lieu qui regrouperait les artistes du coin et qui permettrait un petit peu de se doter d'un lieu de diffusion pour leurs œuvres d'art. Donc, à chaque fois que les artistes venaient me voir au bureau, je leur disais toujours la même chose, c'est-à-dire revenez me voir avec d'autres artistes et établissez un petit peu la nature du projet. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Puis l'idée derrière ça, c'est que l'artiste ne soit pas seul à porter un projet et au niveau de la MRC, bien, s'assurer qu'on pousse un projet qui a un intérêt dans la communauté artistique, donc qui n'est pas un projet d'un artiste. Mais à un moment donné, en 2006, j'étais dans un vernissage ici au centre-ville avec Fernand Brunel, un artiste du coin, et il me revient avec l'idée d'avoir un centre d'artistes au centre-ville, et je lui répète ce que je répétais toujours à chaque artiste, c'est-à-dire, viens me voir avec d'autres artistes qui ont un intérêt au même projet que toi, puis définissez un petit peu votre projet. Finalement, une semaine plus tard, Fernand dans mon bureau avec deux artistes et il est prêt à commencer le projet. La première étape, ça a été de former un comité. Donc, on a regroupé cinq artistes, un conseiller du centre-ville, M. Jocelyn Gagné, et moi-même qui accompagnais le groupe. Jocelyn Gagné, conseiller du centre-ville de Drummondville depuis 2004. À la ville de Drummondville, nous étions à l'époque à la recherche d'un médium de développement en art visuel de trouver une forme qui allait permettre de redynamiser notre centre-ville. Nos contacts avec l'agent de développement culturel de la MRC de Drummond à la personne de M. Jocelyn Proux nous a permis de trouver une forme qui répondrait aux besoins autant de la communauté en général de la ville de Drummondville, autant la communauté artistique en art visuel, autant les professionnels que ceux en émergence, on établit en quelque part qu'il y aurait place à Drummondville d'une galerie d'art qui permettrait à tous ces gens de se regrouper autour d'un même médium de diffusion, de rencontre et de formation en art visuel. On a aussi, dans les premières étapes, défini le plan de travail. Donc, on s'était mis une série d'étapes de travail que le comité devait suivre et, bien entendu, définir l'objectif du projet, car on devait travailler tous ensemble sur un même projet. Donc, l'objectif était d'arriver à doter le milieu culturel, les artistes de la MRC de Drummond, d'un lieu de diffusion et de production en art visuel. Donc, avant d'implanter une galerie d'art, il faut, dans un conseil de ville, rallier l'ensemble de nos collègues élus qui, à l'époque, en 2004, il a fallu convaincre tous les décideurs politiques, les décideurs également économiques. On parle ici économie de société de développement économique, on parle aussi de d'autres joueurs financiers, de se mobiliser derrière... la réalisation d'un projet de cette envergure. Il a fallu les convaincre de la pertinence que cet outil de diffusion était important dans l'axe de développement culturel d'une ville comme Drummondville et qu'il y avait un besoin réel. Et ce besoin-là a été établi par les consultations que l'agent de développement culturel de la MRC de Drummond, Jocelyn Proux, a effectuées auprès de la clientèle cible qui était nos artistes. Après la formation du comité, ça a été de voir
qu'est-ce qui existait comme groupe similaire au Québec? Donc, on est allé se promener, on est allé voir d'autres groupes à Trois-Rivières, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec un petit questionnaire. Donc, on leur demandait comment ça fonctionnait, combien il y avait de membres. Donc, une série de questions pour permettre un petit peu de savoir comment étaient gérés ces différents groupes-là. Et on s'était dit, on va aller voir, on s'était aperçu qu'il existait différents groupes. Donc, on avait les formules de coopératives d'artistes, on avait les organismes, les OBNL, les organismes à but non lucratif, et on avait les centres d'artistes autogérés. Donc, on voulait voir ces différents modes administratifs-là pour pouvoir voir qu'est-ce qui correspondait le mieux ici à nos artistes et à notre milieu. Que la forme coopérative pouvait possiblement être la forme administrative la plus intéressante, et notamment la coop de solidarité, parce que c'est une prise en charge par l'ensemble des membres pour vivre un petit peu, faire vivre ce groupe d'artistes-là. Et la forme se rapproche aussi beaucoup plus du modèle d'une entreprise. Et aussi, au niveau des statistiques, on a appris là, que la coopérative avait une durée de vie pas mal plus longue, même que des entreprises dites ordinaires. Donc, c'est un modèle pour nous qui est intéressant. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est allié à une ressource qui est Gabi Tessier, qui là, il n'est plus à l'emploi de cet organisme-là, mais qui était au regroupement, c'est un regroupement de coopératives Mauricie, Centre du Québec. Donc, eux, leur rôle, c'est d'aider les groupes qui veulent former des coopératives, peu importe le type, à les mettre en place. Donc, autant en termes des règlements généraux, l'assemblée de fondation, les règles de fonctionnement, tout ça. Donc, Gabi a été très utile au groupe pour pouvoir un petit peu structurer le modèle coopératif. Pour voir la viabilité d'un tel regroupement, on devait bien sûr passer par une étape importante qui est d'établir un plan d'affaires. Donc, oui, des prévisions budgétaires pour 3 années, étudier un petit peu le marché des arts visuels au niveau local, régional, etc., pour voir un petit peu comment pouvait se positionner ce groupe d'artistes-là dans la MRC de Drummond. Donc, pour ce faire, on s'est allié Mme Nathalie Cartier, qui est de la SDED ou le CLD Drummond, donc qui offre les ressources nécessaires pour monter les plans d'affaires. Donc, on s'est mis à la tâche rapidement. On avait la chance, dans le groupe, dans le comité d'artistes, d'avoir une artiste qui travaillait en vérification comptable. Donc, pour nous, c'était intéressant pour l'aspect des chiffres, un groupe d'artistes, un agent culturel et quelqu'un qui est habitué de manipuler les chiffres. Donc, ce que ça a permis, c'est d'avoir des prévisions budgétaires triennales qui étaient assez réalistes et qui étaient montées là, de façon dans les règles de l'art. Ça a été intégré au plan d'affaires. Et avec le montage financier qu'on avait fait, on a vu qu'on avait un projet qui pouvait être réalisé. Mais bien sûr, il fallait se mettre à la tâche assez rapidement pour aller chercher le financement. On a fait le 20 juin 2006, on a fait une consultation publique. Donc, par l'entremise des médias, des courriels, tout ça, on a invité la communauté artistique et la communauté en général à venir à une consultation sur une future mise en place d'un centre d'artistes au centre-ville de Drummondville. Donc, il y a une 60aine de personnes qui sont venues. On était bien contents. On n'avait aucune idée qu'est-ce que ça susciterait comme intérêt dans le milieu. Donc, 60 personnes présentes, surtout des artistes. Et donc, on a expliqué le projet de long en large. On a présenté le travail qui avait été fait par le comité. Et à la fin, on demandait aux gens présents de remplir un petit formulaire qui en fait, visait à ce qu'ils manifestent leur intérêt à adhérer à cette future coopérative-là. Et aussi, on leur demandait, on allait un petit peu plus loin en leur demandant qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre comme artistes, comme expertise au niveau de leur coopérative, leur future coopérative. Par exemple, on avait déterminé différents champs d'intérêt, les communications, l'accrochage, donc toutes les fonctions qu'on avait identifiées à travers un centre d'artistes. Les artistes devaient dire un petit peu qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre à contribution. Donc, à la fin de la soirée, on avait 40 questionnaires de rempli, donc 40 artistes intéressés à adhérer à la coopérative. Donc, on avait un petit peu une adhésion du milieu et ça nous permettait d'aller voir des partenaires financiers futurs avec le pouvoir du nombre, comme on dit, donc un groupe d'artistes vraiment intéressés à un projet comme ça. L'assemblée de fondation a eu lieu en novembre 2007, donc la coopérative était maintenant créée. Là, il fallait se chercher un local. Il y avait un local qui avait déjà été ciblé,
qui est un ancien magasin de meubles qu'on appelait le Légaré, ici à Drummondville, qui était connu comme le Légaré, qui était un local qui était vacant depuis une dizaine d'années, qui n'avait pas eu d'occupation, avec des belles grandes vitrines en façade. Donc, on avait ciblé ce local-là, qui appartenait depuis très, très, très peu de temps à la ville de Drummondville. Donc, on a fait des approches, plusieurs approches ont été faites auprès de la ville, de la direction générale, de la mairie, etc., pour leur dire « Hey, on est intéressé, nous, à occuper ce local-là ». Malheureusement, il y avait beaucoup de travaux à faire. C'était un local qui avait été vacant plusieurs années. Il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc, on ne pouvait pas l'intégrer immédiatement, mais il y avait une ouverture de la ville quand même à éventuellement occuper ce local-là. Par hasard, un des membres du comité du conseil d'administration, qui est nouvellement formé, voit au centre-ville, tout juste à côté du fameux bâtiment du Légaré, un local commercial à louer qui pouvait faire, qui était super intéressant, situé en plein cœur des activités qui ont lieu au centre-ville, le Mondial des cultures, etc. Donc, tout de suite, une approche a été faite, le local a été loué. Quelques aménagements ont été nécessaires et en mai 2008, l'ouverture officielle de la galerie d'art, près de 80 personnes, la galerie bien pleine, artistes, milieux municipaux, etc., partenaires présents. Donc, ça a été un beau moment. C'était parti avec la galerie d'art au centre-ville. Quelques temps après ça, je dirais peut-être un an et demi après ça, on s'est aperçu que le local commençait à être petit, la demande était là pour avoir de l'espace d'exposition, tout ça. Donc, il y a un nouveau local qui a été trouvé, c'est celui dans lequel on se trouve présentement, donc beaucoup plus spacieux, qui permettait d'avoir beaucoup plus de surface d'exposition. Donc, aménagement dans un nouveau local, aménagement de l'éclairage, peinture, etc. On était répartis dans un nouveau local, toujours au centre-ville, toujours sur la rue Hériot, qui était très importante dès le départ dans ce projet-là. David Gauthier, directeur de la coopérative de solidarité artistique de la MRC de Drummond depuis 2011. Je connais le projet de la coopérative depuis ses tout débuts, lors des consultations, parce que j'ai été moi-même invité là, à participer à ces consultations-là. Mais ce n'est que l'an dernier que je me suis intéressé activement à la coopérative et j'ai su que il y avait un poste qui était ouvert et ils cherchaient un coordonnateur à l'époque. Donc j'ai décidé de me présenter à l'entrevue, me présenter à la coopérative parce que je croyais que le modèle coopératif de solidarité artistique est un modèle important pour le rayonnement des artistes locaux de la MRC, soit sur le plan national, international, et j'y croyais beaucoup. Donc, j'ai finalement eu le poste. J'ai accepté parce qu'il y a plusieurs projets au sein de la coopérative qui étaient en train de se discuter et je voulais être un acteur. Il y a longtemps, je me suis interrogé sur les interventions culturelles à Drummondville et étant moi-même artiste, je n'y trouvais pas nécessairement mon compte totalement à Drummondville. Et au lieu d'être un esprit critique, j'ai décidé d'être un acteur qui allait faire avancer la culture à Drummondville. Donc, c'est un peu pour ça que je me suis retrouvé là, à la barre de la coopérative. Au tout début, quand je suis rentré ici, il y avait plusieurs travaux à effectuer, entre autres un travail au niveau de la structure, autant la structure administrative que la structure d'accueil pour les exposants, l'accrochage, le décrochage, les expositions en général. Et il y avait un défi de taille au niveau financier. Il faut dire que la coopérative en 2011 a connu une période un peu plus difficile et moi je suis arrivé un peu après cette période-là quand les membres ont décidé de se mobiliser pour renverser la vapeur. Donc je me suis interrogé sur l'aspect financier. Ce qui est important pour arriver à une pérennité financière était vraiment de diversifier la source de financement. Avec cette diversification-là des sources financières, il fallait qu'on s'interroge aussi au niveau de notre espace. Est-ce que l'espace actuel nous permet de développer tous les projets qu'on a mis sur la table? Et la question était non. Puis il y avait l'idée qui planait du déménagement au 219, le local qui avait été discuté au tout début de la fondation de la coopérative. Et là, on apprend en 2012 que le fameux local du Légaré est maintenant disponible.
Il a été rénové au coût d'1 million par la ville parce que le centre culturel de Drummondville, qui a eu ses rénovations, maintenant la Maison des Arts des Jardins, a occupé temporairement le fameux Légaré. Donc, les travaux faits, il y a des beaux projets qui s'en viennent pour intégrer ce fameux local que l'on rêve depuis le début. Donc, avec l'aide de la ville de Drummondville, on a commencé à regarder vraiment là, sérieusement cette démarche-là et qui suit son chemin et qui va se conclure très, très bientôt par une signature d'un protocole d'entente. En ayant maintenant le OK pour un nouveau local, ben, on pouvait mettre à profit nos idées. Donc, on a mis en place un volet métier d'art. Il y avait une demande au niveau des métiers d'art, des artisans ici à Drummondville dans la MRC, qui étaient très intéressés à avoir eux aussi une place, mais une place qui les regroupait eux et non diluée avec les artistes en art visuel qu'on a à la galerie. Donc, à l'intérieur du 219 Heriot, on a vraiment un espace qui va être prévu pour une boutique en métier d'art. Donc, on va vraiment pouvoir répondre à leurs besoins et répondre aussi à un besoin de la communauté qui veut voir ce qui se fait au niveau de la création. On est à une époque où on aime bien se procurer local des objets, des biens, des services. Donc, on s'instaure aussi dans cette dynamique-là. À l'intérieur du local toujours, ben il y a une seconde salle qui va pouvoir être ouverte, qui va laisser place beaucoup plus à la relève. Donc, on a reçu un octroi du Forum Jeunesse, Conférence régionale des élus Centre du Québec, concernant l'implantation d'un incubateur culturel. Donc, à la coopérative, on va avoir un volet relève. Ça va nous permettre d'accueillir des jeunes artistes qui sont au tout début de leur création et leur donner le tremplin qu'il leur faut pour pouvoir... se lancer professionnellement. Il y a aussi, à l'automne 2011, un protocole d'entente qui a été signé avec le cégep de Drummondville qui va nous permettre d'être la première école entreprise en art au Québec. Donc, ce qui va impliquer, en fait, une communication entre le cégep et la coopérative pour qu'eux puissent dispenser des cours à l'intérieur de nos locaux, de regarder notre structure administrative, notre plan marketing, donc, leurs travaux de cours vont être de nous faire des propositions en lien avec la gestion, plan marketing. Le partenariat va s'établir aussi avec les différents départements. On parle entre autres art plastique, ça va de soi. On parle de musique pour des mini-concerts en galerie, des concerts classiques, jazz. Avec la danse aussi, le programme de danse, il va pouvoir y avoir des petits spectacles très circonscrits dans l'espace, mais très intéressant aussi. Il y a un aspect cinéma au cégep de Drummondville. On pourra faire de la projection de courts-métrages. Ça peut aller jusqu'aussi à la logistique du transport pour que nos artistes puissent aller exposer à l'international pour leur faciliter, en fait, leur parcours à l'international. Donc ça, c'est un projet très intéressant qui a été mis en place à l'automne et qui va se dessiner au fil du temps, donc 2012, 2013, 2014. Donc, tous ces projets-là vont nous permettre d'apporter une source financière supplémentaire à la coopérative pour ainsi s'assurer d'une pérennité dans le temps. Pour l'avenir, on ambitionne toujours, on fonde de grands espoirs hein, sur un organisme de cet ordre-là. À même titre que, dans certaines villes, on se réfère à des galeries d'art qui ont marqué le temps et qui sont devenues, en quelque part, des centres de diffusion en art visuel. Et on pense que, j'ai la profonde conviction, que la galerie d'art de Drummond, qui est située au centre-ville de Drummondville, va devenir un incontournable. On veut que ça devienne un outil de référence. Lorsqu'un artiste exposera ici, à la galerie d'art de Drummond, ça sera possiblement une forme de consécration, de reconnaissance, tu sais, par ses pairs et par aussi la communauté en général. Moi, j'ai envie que la coopérative, avec les membres, on puisse aller exposer au national, à l'international. Je sais que la ville de Drummondville a un partenariat avec la Colombie-Britannique, la communauté francophone, donc pourquoi pas créer des liens avec cette communauté-là? Il y a des communautés francophones un peu partout à travers le Canada, donc ça peut être un tremplin là, pour la suite des choses.
Mais ce qui s'en vient vraiment pour la coopérative à court terme, puis qui va être bon pour du long terme, mais c'est vraiment de mettre en place les assises pour ce nouveau centre de diffusion et développement artistique. C'est ce qui s'en vient tout prochainement. Ce qui est important, en fait, c'est vraiment l'esprit de solidarité qui va régner au sein de la coopérative. Parce que la vie fait en sorte qu'il y a, des changements au niveau du conseil d'administration, il peut y avoir des changements au niveau du personnel. Mais ce qui est important pour que le projet fonctionne réellement, c'est que chacun se tienne main dans la main, puis aille vraiment dans la même direction. D'où l'idée d'avoir une vision à long terme, chose que la coopérative n'avait pas nécessairement, ou du moins ne l'affichait pas publiquement. Nous, actuellement, c'est ce qu'on désire mettre en œuvre, là. Cette vision du long terme-là. Donc, les gens, les membres de la coopérative croient en cette vision-là. Donc, j'ai l'impression que ça va vraiment perdurer dans le temps, peu importe ce qui va se passer, là. Puis c'est ce qui est important au niveau de la santé même de la coopérative. Mmh.